Depuis que j'ai vu Lady Oscar, j'adore l'équipe de France. Ils sont tous blonds aux yeux bleus, comme tous les Européens. Ils vivent tous dans des châteaux. Et puis ils ont des super joueurs. Il y a Pierre, Napoléon, Jean-Paul, Jean-Luc, Jean-Michel, Jean-Marie, Jean-Pierre, Louis XVI. Leurs attaquants ont la technique de la Tour Eiffel, précise et rapide. Et leurs défenseurs, la technique d'Aubervilliers, brutale et violente. Mais bon, comme ça requiert des armes blanches, ils l'utilisent jamais. Et c'est la France qui engage cette première mi-temps avec Pierre, immédiatement taclé par Landers, qui remet sur Hatton, qui... Tiens, mais c'est déjà l'heure de flashback, je vais pouvoir aller prendre un café comme ça. Hatton passe tranquillement les défenseurs les uns après les autres, tandis que les Français, pris d'une cécité foudroyante, se jettent sur lui sans même le regarder. J'étais en train de penser à ce que m'avait dit Roberto, le meilleur conseil qu'il m'avait jamais donné. Je lui avais dit garde la balle et marque des buts, et je sais pas pourquoi il fait des flashbacks là-dessus, il est complètement con ce môme. Merci Roberto, j'oublierai jamais ce conseil. Ah là là, finalement, Hatton se fait subtiliser la balle par Jean-Paul, et ouais, c'est de suite moins facile quand il n'y a plus les cinématiques, hein. Mais Ben Decker récupère la balle et remet pour Landers, qui passe à Hatton, qui tacle en plein sur la transversale. Je savais même pas qu'il y avait eu des transversales dans ce dessin animé. Le ballon atterrit dans les pieds d'un défenseur qui se fait tacler par un type qui ressemble au personnage principal d'un jeu de hentai, qui dégage la balle pour Hatton, mais l'arbitre siffle. C'est de... Attendez, je regarde dans mon cahier. Ça s'appelle hors-jeu. Sûrement une nouvelle règle, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Quoi? Eh hey, merde, le hors-jeu. Je savais que j'avais oublié de leur expliquer un truc. Le ballon repart pour les Français avec Jean-Paul qui remet à Pierre qui esquive un tacle de Hatton et dégage pour Napoléon. Et oh là là, le méchant tacle de Ralf Peterson. Et les esprits s'échauffent entre les joueurs. Oh là là, mais ça devient coquin, dis donc. C'est pas le lieu pour ce genre de caresse sensuelle, messieurs. Vous pourriez attendre quand même d'être dans les vestiaires. Ah, attendez, non, je crois qu'ils veulent se battre, en fait. De loin, j'ai cru autre chose. Et carton jaune? Carton jaune? Bon sang, il y a un arbitre dans ce jeu qui l'eût cru? Les capitaines essayent de calmer le jeu, mais c'est difficile. Ah là là, et comme quoi, les Japonais, ça mange pas que du chien, ça peut aussi bouffer des cartons. Coup franc pour les Français qui remettent en arrière et perdent aussitôt la balle, récupérée par Ben Baker, qui remet sur Hatton, qui se précipite au duel avec Pierre et qui perd lamentablement. Les Français dégagent pour Napoléon et faute! Faute! Encore une obstruction violente de Ralf Peterson. Et l'arbitre sort le deuxième carton! Le deuxième carton jaune pour Ralf Peterson! Les Français ont tellement dû lui graisser la patte qu'il va certainement glisser jusqu'au vestiaire sur une marée d'huile d'olive! Carton rouge pour Ralf Peterson, le défenseur du Japon! L'arrière gauche est donc exclu! Les Japonais sont troublés en 350 épisodes, c'est la seule faute qui a jamais été sifflée! Faut dire qu'on n'arrête même pas le jeu quand un type fait un arrêt cardiaque sur le terrain! Alors siffler une obstruction, ça semble un peu sévère pour les Japonais, c'est normal! Hatton proteste et demande à ce monsieur en polo vert de quitter le stade, visiblement! Et comment j'aurais pu savoir que c'était l'arbitre? Vous avez vu ses fringues? On dirait un vendeur de canapés chez Intersport. Et voilà les résultats de la protestation. Hatton, lui aussi, se prend un carton jaune, tandis que Ralf Peterson sort du stade. J'en connais un qui a projeté le déshonneur sur sa famille. Coup franc à nouveau pour les Français qui passent pour Pierre en position de tir. Pierre qui prend le temps de se recoiffer avant de tirer. Il vaudrait mieux que le ballon rentre parce que sinon il aura juste l'air d'être un colossal connard après ça. Ed Warder saute pour intercepter le ballon se divisant deux par sorcellerie. Mais Warder réussit quand même à capter le ballon. Quel colossal connard ce Pierre. Et c'est un dégagement pour le Japon. Ballon qui atterrit dans les pieds de Landers. Landers qui marche sur une mine antipersonnelle. Ah non, pardon, qui déclenche le tir du tigre? Le tir du tigre pour Hatton. Hatton en pleine réflexion sur la taille de l'univers et sur l'impact de la disparition des palourdes en Afrique du Sud. Le gardien saute pour l'attraper. La balle, mais rate. Et ça sera donc un 6 mètres. Ah là là. Quelle équipe de branleurs, hein. Ça fait des flashbacks de 3 minutes et c'est pas foutu de planter un ballon dans des cages de 9 mètres. Et c'est sur cette scène ridicule que les joueurs vont retourner au vestiaire. Une mi-temps moyenne, beaucoup d'occasions loupées pour les Japonais malgré de nombreuses cinématiques et moult flashbacks. L'entraîneur va avoir des choses à dire, j'ai l'impression. À la mi-temps, j'en ai profité pour les remotiver, leur dire de continuer à jouer comme ça. Ça va passer, continuez solide sur les appuis, l'important c'est l'équipe. Et surtout c'est l'esprit de l'amitié qui nous anime. C'est des bons joueurs. J'ai 100% confiance en eux. Il nous a tapé! Et c'est sous la pluie que les joueurs vont engager cette deuxième mi-temps. Nul doute que les joueurs vont devoir prendre en compte le terrain qui sera mouillé. Cette deuxième mi-temps commencera donc avec Hatton qui se lance à l'assaut de Pierre. Hatton qui franchit le capitaine français. 1-2 toujours pour Hatton qui se met en position de tir. Hatton qui se place pour le tir du Phoenix. Mais non! Ballon contre!
Et les Français repartent à l'attaque. Passe pour Pierre, le numéro 10 des Bleus, et je crois que oui. Oui, nous y sommes, ça y est. Pierre et Napoléon se mettent à courir en direction des buts. Cette attaque, cette technique, ces mouvements absolument uniques au monde qui consistent à transférer le ballon d'un joueur à l'autre grâce à des impulsions kinétiques mises dans le ballon par de subtiles propulsions d'avant en arrière du pied droit. C'est la technique de la Tour Eiffel. La balle arrive dans les pieds de Napoléon, je ne me ferai jamais à ce nom qui tire. Le canon shoot. Le ballon file tout droit dans les cages de Warner, qui décide de l'arrêter avec une double manchette de karaté. Tour Eiffel contre karaté. Ce qui s'est passé est absolument raciste. Mais le ballon rebondit sur la transversale. Encore la transversale qui aurait évité de nombreux buts aujourd'hui. Mais attendez, attendez, ce n'est pas fini. Pierre, le capitaine des Bleus, se jette sur le ballon et reprend le ballon de volée. Warner est toujours au sol. Et but. Ouverture du score pour la France. Et décidément, c'est pas la première fois que des Japonais se font niquer à Paris. Forcément, bah du coup, j'ai essayé de remotiver mes amis. Allez les copains, on va faire de notre mieux pour gagner ce match. Pour nos amis, pour le Japon. Et pour tout un tas d'autres raisons. Les Japonais sont donc menés pour la première fois dans ce championnat. 1-2 avec Hatton, côté gauche, qui passe pour Landers, qui tire. Mais un défenseur se jette sur le ballon et le gardien français l'arrête sans souci. Dégagement pour la France qui atterrit dans les pieds de Pierre, attaqué par Ben Baker. Ben Baker et Olivier Hatton font une remontée spectaculaire et dribblent sans problème les figurants français. Ben Baker qui arrive au contact du numéro 10 français, Pierre Leblanc. Un face-à-face pour les deux joueurs du Paris Saint-Germain. Ben Baker qui dégage le ballon, mais le ballon s'arrête net sur le stade, détrempé par la pluie à la mi-temps. Ben Baker se téléporte. Ah pardon, je veux dire, il court en direction du ballon, poursuivi par Pierre, alors que Napoléon fonce également pour intercepter. De toute façon, le placement des joueurs, c'est pas vraiment important. Mais peu importe, double tacle de Napoléon et Ben Baker sur le ballon. Et Hatton arrive également pour tacler le double tacle. Ça n'a absolument aucun sens. Le ballon est dégagé, Ben Baker saute pour une reprise de volée. Le gardien ne l'arrête pas. Et c'est à 6 mètres. Le ballon passe loin au-dessus des buts. Ah là là. Il faut ouvrir plus grand les yeux, messieurs les Japonais. Il a vraiment dit ça? Il restait à peine 20 minutes avant la fin du match. Je pouvais déjà sentir les doigts de mon entraîneur glisser le long de mon cou. Il fait ça à chaque fois, même quand on gagne. Le Japon multiplie les attaques pour remonter. Encore une fois, c'est Olivier Hatton et Ben Baker qui, ce coup-ci, vont tenter la frappe des frères d'Eric. La double frappe simultanée. Le ballon est confus et le gardien la rate. Et poteau, poteau, encore un échec pour le Japon. Oh là 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 là. Et je savais qu'un repas tous les jours, c'était trop. Je les ai trop gâtés, là, ça se voit. Hatton au ballon et fonce vers la défense française pour une des dernières attaques de ce match. Passe pour Landers. Landers qui passe en force, Jean-Michel, un défenseur français. Landers pour le tir du tic de la dernière chance. Si le gardien l'arrête, c'en est fini du Japon. Le gardien saute, mais la balle passe et c'est le but. À quelques minutes de la fin, égalisation des Japonais. Et c'est sur ce score de 1 partout que va s'arrêter le temps réglementaire. Les prolongations n'ayant rien donné non plus, ce match entre la France et le Japon s'achèvera donc aux pénaltys. Les pénaltys, c'est ce que je redoutais le plus. Parce qu'en fait, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est quoi ces conneries là? Vous avez déjà vu un pénalty dans cette série? Un carton? Une faute? Un hors-jeu? Je veux dire, d'habitude, quand tout le monde a gagné, tout le monde a gagné. Les joueurs japonais sont en place et c'est Danny Melo qui va commencer à tirer des ballons facilement arrêtés par le gardien français. Non mais avec des gardiens comme ça, ça va jamais se finir, c'est complètement con là. Jean-Marie pour le tir suivant, Ed Warner se concentre et saute sur le poteau pour arrêter le tir qui était de l'autre côté. Alors, c'était bizarre, mais ok, tir arrêté. Napoléon, également arrêté. Mark Landers, arrêté. Pierre, arrêté d'une superbe manchette japonaise. Hatton, Hatton au tir maintenant. Hatton qui tire, Hatton qui tire. Et Hatton qui... But! But pour le Japon! Le Japon qui est donc qualifié pour la finale sur un but d'Olivier Hatton! C'était inespéré! C'est fou, j'ai raté mon tir et c'est quand même rentré. C'est à croire que tout était écrit dans un genre de scénario connu à l'avance. En tout cas, ça y est, on y est. La finale contre l'Allemagne. Vous savez, l'Allemagne et le Japon, on est des vieux amis. Enfin, je veux dire qu'on a déjà joué contre eux, donc on les connaît, c'est des vieux amis.